Je suis à l'heure. Se leva. Le voisin est à l'heure. Bonsoir, bonsoir, docteur Solange. Bonsoir, Tiki la Camère. Bonsoir, Liliane Pelé. Bonsoir, Vals, Massa. Tu aimes le Congo, ça, la fille. Bonsoir, l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu, ça me rappelle la personne, le jour qu'il avait appris. Qui devrait descendre en prison, il a dit, je bénis le Seigneur. Bonsoir Zara AKM, bonsoir Elisabeth, bonsoir Léonce, Léonce Juminto, ah, bonsoir Princesse Lombi, bonsoir Amadou Haroun, bonsoir Sacha Happy, bonsoir Fomeso Bertrand, Massa, tu es le frère de Koemo. Bonsoir, bonsoir Yola, bonsoir Christique, bonsoir Linda, bonsoir Annelise Majedo, bonsoir Zita, bonsoir Iris Lambert, bonsoir Shekina Gloria, bonsoir Willy, bonsoir Lily, bonsoir Blanche du Sud. Allez, partagez, 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 partagez. On monte, on monte, on monte. Bonsoir, Nundu, Tonkam, Pelagie. Bonsoir, Irène. Bonsoir, Tina. Bonsoir, Nathan, Mahamat. Bonsoir, Christiane, Kamer. Bonsoir, Léonce. Léonce Jumento, je suis un homme de parole. Quand je vous dis 22 h, c'est 22 h. Vous comprenez? Je ne fais pas. Ça me touche déjà. Je suis un homme de parole. Je suis comme quand Zomloa part à l'audience. Le gars est à l'heure. Malgré que l'autre jour, il était à l'heure, mais les mbéré ont fait semblant, ont fait exprès de faire en sorte qu'il arrive en retard. Bonsoir Clémence Laure. J'ai précisé que 22 h, heure de Kondingi. 22 h, 1 minute au camp Béac. Et 22 h, 2 minutes. C'était où là? J'ai oublié. Merci, merci Amy. Merci pour le cœur. Merci Clémence Laure. Merci, Renaissance, Solidarité. Je suis réel, comme tu dis, quand je vous donne rendez-vous. Dieu seul sait combien de choses j'ai abandonnées pour venir. Ah, Karim, bonsoir, mon ami Karim, cher voisin. Oui, je sais que vous me suivez partout dans le monde. C'est pour ça que j'ai précisé l'heure de Kondingi. Donc, à vous de voir l'heure de Kondingi et faire le calcul. Chez vous, ça doit être 23 h. Il y a d'autres que c'est 12 h même chez eux. Bonsoir, ma vie, Laura. Yubas. Boni, Yaya. Solange, vision caca. Vision merde. Vision mille collines. Vision racaille. Bonsoir, nous sommes à 167. Continuez, continuez de partager, continuez de partager. Entre-temps, je vais répondre à un rienton qui s'appelle Martial Ona. Je vais vous faire suivre ce qu'il a dit et on va s'arrêter de temps en temps. Entre-temps, mettez le cœur, partagez massivement parce que
Ils ont créé un groupe WhatsApp à Vision Caca pour attaquer mon direct massivement. Vous avez vu la fois passée, ils ont attaqué. Et tant que vous ne mettez pas de cœur, on ne peut pas les contrecarrer. Montrons aussi que nous sommes nombreux. Nous sommes déjà à 183, bientôt 200. Donc, continuez à partager. Partagez dans des groupes. Et continuons, pompons les cœurs et tout. Donc, nous allons commencer parce que, honnêtement, ça partait dans tous les sens. Il faut que je reprécise les choses telles que ça. Oui, nous sommes déjà 202. Continuez, continuez, connectez-vous, partagez. C'est pas mon domaine, vous connaissez mieux que moi comment faire. Ta mère Nawaï. La fois passée, j'ai parlé à Foufoudé, là, je me rends compte que plusieurs personnes parlent à Foufoudé. Donc, là maintenant, je vais vous faire écouter quelqu'un. Donc, déplorer la mauvaise utilisation qui est actuellement faite des réseaux sociaux. Vous savez aussi bien que moi la situation que le groupe traverse en ce moment, une situation assez difficile et assez éprouvante. On prend des nerfs, mais je n'accepte pas. Le volume est bon. Moi, Ona, je n'accepte pas que des personnes veuillent profiter de cette situation-là pour faire. Le volume est bon pour l'audio, la vidéo que je suis en train de lire. Le volume est bon. Dites-moi si le volume est bon pour le truc, pour Martial. Porter le mauvais chapeau à M. Amou Bélinga. Et donc, j'en suis le collaborateur depuis le 11 juin 2004. Je n'accepte pas que des gens veulent lui faire porter ce chapeau-là. J'ai regardé depuis quelques jours une certaine agitation sur les réseaux sociaux. Je suis bien d'accord. Je suis d'accord que des gens manifestent de la sympathie vis-à-vis de nous, de notre patron, de cette entreprise. D'ailleurs, c'est très réconfortant. C'est réconfortant de manifester de la sympathie et de la solidarité. Mais ce que je n'accepte pas, Norbert et Baudet, ce que moi, je n'accepte pas et que je n'accepterai jamais, c'est que des gens veuillent faire porter, bien veulent faire croire aux uns et aux autres que M. Amou Bélinga est en train de monter des groupes pour des troubles sociaux, que M. Amou Bélinga est en train de se lever pour agiter les gens à travers des forums WhatsApp. Non. Bon. Monsieur Ona, Martial Ona, qui dit que ce que tu ne comprends pas, c'est que les gens soutiennent Amou Bélinga en insultant le président. Je t'informe que c'est vous qui avez commencé ça. Et j'avais relayé sur ma page. J.Reming, on avait cité le nom des influenceurs qui avaient pris de l'argent. Et maintenant, quand ces influenceurs font des gaffes, vous devez assumer. Nous avons les noms des gens qui ont reçu de l'argent. Et il y a un particulièrement qui a fait l'erreur dans un de ses directs, qui a dit des choses contre le président de la République. Et lui, il a la malchance qu'il vient souvent au Cameroun. Nous l'attendons. Je ne prononce pas son nom. Donc, c'est que toi, tu dis moi, Ona. Toi, tu es qui? Tu es qui? Aujourd'hui, Amougou même est qui? Pour dire que moi, Ona, c'est que je n'accepte pas. Toi, qui? Qui te connaît, tu vaux quoi? Un ignare, c'est une bande de villageois. On continue. Déplorer la mauvaise utilisation qui est actuellement faite des réseaux sociaux. Vous savez, c'est que des gens veulent faire produire, créer de l'inimitié en les personnes qui incarnent ces institutions, c'est le a toujours su
démontrer sa fidélité entre le président du consortium, l'anecdote, et les institutions de la République. J'ai dit non. Monsieur Amoubelinga, pour le peu que je le connaisse, pour avoir travaillé avec lui depuis 2004, je le dis encore 11 juin 2004, je voudrais que les uns et les autres sachent que monsieur a toujours su démontrer sa fidélité aux institutions républicaines. Il le dit toujours. Ok. Ce petit ignare, ce petit animal, ce petit idiot, il ne connaît même pas Amoubelinga. Avoir la manière dont il parle. Il dit qu'Amougou respecte les institutions. Amougou Belinga respecte les institutions. N'est-ce pas lui qui insultait l'ambassadeur? N'est-ce pas lui qui insultait le patron de la police? N'est-ce pas lui qui disait à un commissaire que Mbarkangele est son sujet? Vous vous rendez compte? N'est-ce pas lui qui dit à OSG de la police, qui est une institution, que tu vas payer le prix? Il raconte quoi? Nous sommes tranquilles, vous voulez nous pousser à aller au bout. Et je vous rappelle, si c'est Tadé, Martial, machin, ce que je suis en train de te dire là, si tu as les couilles, réponds-moi. Tu sais comment ça va se passer quand tu vas me répondre? Je dépose un dossier de ton patron sur la table et je te réponds personnellement. Au pire, je dépose deux dossiers de ton patron où le peuple, ce que le peuple ignore, et je te réponds après. Parce que toi, je ne te connais pas. C'est Jean-Pierre Amoukou Belinga que je connais. Et je n'ai jamais été employé de Jean-Pierre Amoukou Belinga. C'est-à-dire, toi, tu dis que Amougoua prouvait pour que vous respectiez les institutions. N'est-ce pas votre sale télévision qui avait passé plus de 2 heures à insulter le délégué général en fonction? Tu me déconcentres. Le délégué général en fonction. N'est-ce pas? C'est pas lui. Et aujourd'hui, vous venez dire que Amougoua prouvait pour respecter les institutions. Ça ne tient pas dans votre tête. Vous tuez quelqu'un, vous devez la boucler, monsieur. Voilà quelqu'un qui a dit devant la télé que travailler avec un milliardaire, c'est comme si on travaille avec un président. Il peut faire de vous de ce qu'il veut. Il peut vous prendre comme un format. Il froisse, il jette. Il dit qu'Amougou respecte les institutions. Amougou, qui a insulté l'ambassadeur de Paul Biya, le représentant direct du président de la République. Il a insulté. Voulez-vous qu'on revienne sur ça? Voulez-vous qu'on revienne sur ça? On continue. Déplorer la mauvaise utilisation de la solidarité. Arrête de créer des inimitiés entre ce monsieur, ce promoteur d'emploi et le garant des institutions républicaines. J'ai vu des vidéos, il y a des vidéos qui sont en circulation là, où des gens se permettent d'insulter le président de la République, de s'en prendre à la première dame, de s'en prendre à la famille présidentielle, sous le prétexte que non, nous défendons M. Amoubelinga. Non, le président du groupe L'Anecdote n'a jamais demandé à qui que ce soit. La première personne à insulter le président Paul Biya, c'est Amoubelinga. J'informe au peuple camerounais que la première personne a insulté le président Paul Biya, c'est Amoukou. C'est comme si vous avez la mémoire courte. N'est-ce pas Amoukou qui a dit que l'homme bêtis est méchant et feignant? Feignant était mis pour le président Biya. Je vous dis alors aujourd'hui, quand il disait méchant, il s'adressait à Mbarkangele. Quand il disait les gens qui le jetaient des pots de banane, ils s'adressaient au SG de la présidence de la République. Quand il disait l'homme bêtis est feignant, il s'adressait au président Biya. Il s'adresse au président Biya et nous avons les vidéos. Mais vous n'avez pas, personne n'a
déchiffrer ça. Je n'ai pas voulu déchiffrer ça, mais vous nous poussez à bout. Il a dit que l'homme bêtis est méchant, l'homme bêtis est feignant, l'homme bêtis est ceci. Il oublie que le président de la République est un homme bêtis. Quand il insulte quelqu'un que le président de la République a nommé, le SGPR, il respecte les institutions, monsieur machin au Naoukwa. Quand il insulte ces genres de personnes, il respecte les institutions. Avant qu'on arrive sur le dossier Touadéra, je voulais d'abord finir avec cet ignare où la fin de son histoire va vous faire rire. Et pleurer la mauvaise. Vous prenez sur vous d'insulter le président de la République. Vous prenez sur vous d'insulter, de porter atteinte à l'image de la première. Vous prenez sur vous de porter atteinte à l'image de la première dame. La personne qui porte atteinte à l'image de la première dame, c'est Melissa Amukubelinga, qui lors d'un machin, elle faisait un don, c'était où là? Dans un orphelinat, où elle a dit à une personne que elle est naturelle, elle n'aimait pas les cheveux, comme la première dame, elle met les cheveux simples et elle est accessible à tous. Ça, c'est des choses que la première dame est au courant. Donc, insulter le président, là, il n'y a pas pire que vous. Insulter le président, là, il n'y a pas pire que vous. Quand Amoukou appelle Vondayolo, le DCC, ils ont collé un nom au président pour se moquer de lui. Vous savez comment ils appellent le président? Ils appellent le président Bourguiba et où? Il rentre quand? C'est comme ça qu'ils appellent le président de la République. Quand ce même DCC a reçu Amoukou Belinga et le ministre Nguengueru là, il s'appelle qui? Atangayakuna. Ils ont causé, ils étaient en train de rire, ils ont dit, sûrement le président est en train de dormir, il ne travaille pas. Voilà les gens qui insultent le président. Vous comprenez? Donc, vous avez payé les gens, maintenant ça vous dépasse de les encadrer, d'autres, ça vous dépasse de les payer. Ils sortent de votre ligne éditoriale, ils aggravent, ils deviennent de plus en plus, comment on dit, si quelqu'un exagère dans quelque chose, là, ils deviennent des extrémistes. Les mêmes gens que vous avez pris, que nous avons des preuves que vous les avez payés. Tout comme vous avez payé des villageois blancs dans un pays, en Italie, dans un village, hein, ils partent, Seigneur, Amoukou, Belinga, You, Benito, Chateni, Nanyanya, ils étaient là. Amoukou est persuadé que c'est au Vatican. Donc, les gens que vous avez recrutés vous dépassent aujourd'hui. Et pourquoi dire ça maintenant? Parce que vous avez cru que l'autre jour, Amoukou devrait être libre. Mais vous êtes malade. Soit Amoukou vous cache des choses, soit vous êtes ignorant, soit vous connaissez et vous faites semblant. Amoukou Belinga traîne des casseroles. Ils traînent des casseroles. Tous ceux qui sont morts à Vision 4, on va recommencer les enquêtes à zéro. C'est un criminel. Aujourd'hui, le monde entier me donne raison. Si j'ai resté au Cameroun, vous allez découvrir mon corps comme le corps de Martinez Zogo. Aujourd'hui, Martial, on a dit que ne défendez plus mon patron. Ils savent que c'est cuit. C'est cuit.
Ils ne peuvent pas payer. Mais il y a un influenceur que lui, dès qu'il met pied au Cameroun, il ne sait pas que pendant qu'il défendait Amoukou, il a dit quelque chose. Je ne prononce pas son nom. Mais lui, il vient fréquemment au Cameroun. Dès qu'il met pied au Cameroun, on va l'arrêter. Amoukou Belinga, que Martial Onati n'a même pas honte. Amoukou Belinga qui dit dans sa télévision qu'on insulte le vieux sage, c'est-à-dire un papa comme Barganguilé, qui incarne les institutions comme tu dis. Il est le chef de la police camerounaise. Vous l'avez insulté. Je vous ai mis des audios où il a dit que Barganguilé est son sujet. Vous dites qu'il respecte les institutions. Ça ne tient pas dans ta tête. C'est la famine là qui vous menace jusqu'à ce point. Continuons. Déplorer la mauvaise. Ne mettez plus M. Amoukou Belinga dedans. On va mettre. Ça s'arrête. Oui, vous voulez bien soutenir M. Amoukou Belinga. Soutenir le passeport à ce que nous traversons. Mais n'allez plus insulter le président de la République. N'allez plus insulter la première dame. Ne mettez plus Amoukou Belinga dedans. Ne mettez plus Amoukou Balanga dedans. Ne mettez plus Amoukou Bangala dedans. On va mettre Amoukou Bangala dedans. Pian. On va mettre. C'est vous, ce que vous avez commencé là. Vous allez terminer. Les extrémistes que vous avez créés, vous allez les gérer. Votre patron va recevoir tous ces coups. Tous les gens qui insultent Paul Biya en soutenant Amoukou sont manipulés par Amoukou. Moi, je suis Ouadjou, entre Bangalang, Amoukou Balanga, Bangal, Amoukou qui Bangal, Amoukou, Bangala. Ok, d'accord. Bangala, ça va. Amoukou, Bangala. Ok, d'accord, on continue avec Martial. Déplorer la mauvaise dame. Vous prenez sur vous, comme l'autre a fait dernièrement, de porter atteinte à, aux enfants du couple présidentiel. Faites-le en vos âmes et conscience. Laissez les gens qui ont pris. Ça, c'est pas votre problème. Défendez votre patron. Mais en votre nom. Et en votre nom, ne mettez plus M. Amoukou Belinga dedans. On et va mettre Amoukou Balanga dedans. Oui, vous voulez bien soutenir M. Amoukou Belinga. Soutenez-le par rapport à ce que nous traversons. Mais n'allez plus insulter le président là. On soutient un tueur. Depuis quand? On soutient un tueur. République, n'allez plus insulter la première dame, n'allez plus insulter tel ministre, n'allez plus insulter. Ça, c'était le mot d'ordre qu'ils ont donné à leur gars. Allez insulter tout le monde. Ah, les gens vont se révolter. On va faire des marches. Une fois, il avait voulu faire des marches. Je l'avais dit, demandé, j'ai pas les mingolons et vivant. Il y a des vidéos où j'avais dit à Amoukou, tente de faire une marche. Je vais infiltrer mes gens parmi tes gens et on va faire des dégâts. Et tu vas payer. Il n'a plus fait des marches. Amoukou avant, moins d'erreurs, il faisait des marches. Moins d'erreurs, il faisait des marches. Il a fallu que le petit Bachirou donne les veto que tu tentes de marcher un gâteau. Il y a la vidéo. Je vais chercher et vous allez, je vais vous partager ça pour qu'il arrête. Donc, aujourd'hui, c'est-à-dire, il paye les gens. Faites ceci, il faut soutenir Amoukou Belinga. Après avoir payé d'abord les gens des églises, ils ont payé les influenceurs et les influenceuses. On a sorti les noms. Parmi eux, d'autres n'ont pas reçu, on appelle quoi? Quand on avance quelque chose, il reste quelque chose là, on appelle ça quoi? Le reste de leur argent, en français facile. Ils n'ont pas reçu. Ils se sont mis à insulter le président pour leur Dieu qui est Amoukou. Et c'est Amoukou qui dit ça. Et c'est Amoukou qui envoie Martial Onavenir dire ça. Quand il a compris que les histoires des cabinalistes ou cannibalistes, c'est-à-dire
c'est que Kopo avait dit la redynamisation des Mbindimo de base là. Le jour que j'ai appris qu'il y a cannibalisme dans l'histoire de l'amour, j'ai eu la trouille de ma vie. J'avais dit ce jour-là que c'est honteux pour notre pays parce qu'il y a des gens qui me suivent. Je préfère qu'un professionnel le fasse. Voilà, Carole, le reliquat. Donc, ils ont pris l'avance, ils n'ont pas touché le reliquat. Maintenant, tout est en train de partir en couille. C'est-à-dire le monde part en couille entre Amogo Belinga et ses influenceurs. Voilà donc un Tintin qui s'assoit. Je suis avec Amogo Belinga. N'est-ce pas, on t'a promis la maison? Où est la maison qu'on t'a promis? Petit. Fort. Vos vidéos que vous faites en insultant X, en insultant le président de la République, en insultant la première dame, en insultant Y, ça ne concerne en rien, monsieur Amogo. Monsieur le président, papa, Amogo, t'as insulté en disant que l'homme bêtis est méchant, foncièrement méchant et feignant. Quand il disait feignant, il s'adressait à toi. Madame la première dame, Melissa Amogo Belinga, quand elle faisait les dons, elle faisait des tournées, elle voulait imiter ce que tu as créé comme Serac. Tu es au courant? Elle a même dit qu'elle, elle n'aimait pas des cheveux artificiels. Elle se tresse en natte pour t'insulter. Donc, Melissa t'a insulté, maman. Papa, Amogo t'a insulté, a insulté toute ton ethnie. C'est-à-dire, Amogo a insulté. Quand tu dis l'homme bêtis est foncièrement méchant, ça veut dire que tu as insulté le père de quelqu'un, le grand-père de quelqu'un, toute la génération. Déplorer la mauvaise avec sa mère. Il est donc clair de savoir que ne le mettez pas dedans. Ne le mettez pas dedans. Ne le mettez pas dedans. Il est déjà dedans. Il est à Konengibou. Qu'on ne le mette pas où? Chez nous, les partout. Qu'on ne mette pas à Mougou où il est déjà à Konengibou. Qu'on ne mette pas où? Non. Un enfant reste soumis à son père, à sa mère, à ses grands frères et à ses grandes sœurs. C'est comme ça que ça se passe. Un enfant reste soumis à son frère, à son père, à un aîné, un cadet reste soumis à son aîné. Qu'est-ce que tu n'as pas insulté? Quel genre d'insulte tu n'as pas sorti sur le père Bargangeli à la télé, à Mondo Vision? Et après, nous avons sorti un voice où tu as dit que, n'est-ce pas, il est mon sujet. Tu, un père comme Bargangeli, tu l'insultes. Et ce salopard, c'est ta famille vient dire que Amogo respecte les institutions de la République. N'est-ce pas toi qui as enfermé la dame des impôts? Madame qui la chef de centre des impôts? C'est-à-dire tu n'as pas de cœur, tu enfermes une femme. Tu fais de la justice ce que tu veux. Le jour qu'on me jugeait, le juge avait le téléphone comme ça. Il causait avec Amogo. Il demande à Amogo, je donne combien à Vassilou? Il dit, donne 3 ans. J'ai dit, je savais que je n'avais pas fait 3 ans. Je savais. Et il dit que un père doit... Le délégué général peut accoucher à Amogo Belinga. Même quand elle est à Amogo Belinga dans son truc, il est né vert à côté d'eux. Voilà quelqu'un qu'on ne sait pas la date qu'il est né. On ne sait pas où il est né. On dit né vert à côté d'eux. Donc né vert, 1930 ans, à côté de Bankomo. On ne connaît pas là où il est né. Et il dit devant. Déplorer la mauvaise utilisation qui est à... Monsieur, le patron du consortium de l'anecdote est un homme qui a su rester fidèle aux institutions. Il l'a toujours clamé haut et fort. Vos vidéos que vous faites en insultant
X, en insultant le président de la République, en insultant la première dame, en insultant Y, ça ne concerne en rien, monsieur Amoubilika. Ne le mettez pas dedans. Ne le mettez pas dedans. D'ailleurs, on le sait chez nous. Il est déjà dedans. Chez nous les Bantous, parce que moi je suis un petit. Chez nous les Bantous, un enfant ne bagarre pas avec son père, ni avec sa mère, ni avec ses grands frères. Non. Un enfant reste soumis à son père, à sa mère, à ses grands frères. Et... Marganguele, c'est son petit frère. Vous n'avez pas suivi les voices où il a insulté Marganguele. C'est-à-dire qu'on déchiffre leur mensonge pour vous montrer que c'est eux qui ont tué Martinez. Ses grandes sœurs. C'est comme ça que ça se passe. Et M. Amour a toujours su démontrer cet attachement aux institutions de la République. Donc, les influenceuses là. Cet attachement aux institutions de la République. Voilà un tintin qui ne paye pas. Il a dit à quelqu'un en prison que tous les injures que Bachir ou Bensud là, ça ne m'énerve pas. Mais quand il me dit tintin, ça me fait mal. Donc, il a fait l'erreur de se confier. Il dit voilà un tintin qui dit qu'il respecte les institutions de la République, qui ne paye pas les impôts. Je n'ai pas encore cité vos noms. Les influenceuses là, les influenceurs là, les administrateurs des forums WhatsApp et autres là, quand vous faites des choses, faites-les en vos noms. Mais ne mettez pas le groupe L'Anecdote dedans. Le groupe L'Anecdote, je le dis aujourd'hui, n'a jamais, mais alors au grand jamais, envoyé qui que ce soit, aller insulter le chef de l'État, aller insulter. Monsieur, je t'apprends que le groupe L'Anecdote a envoyé l'argent à plusieurs influenceurs et nous avons les traces. Les services de sécurité de notre pays, que je salue ici, détiennent des traces que votre consortium a envoyé l'argent à des influenceurs. C'est la même que vous vomissez aujourd'hui. La première dame, aller insulter les enfants du couple présidentiel, aller insulter tel ministre de la République, aller insulter tel ambassadeur, aller insulter tel... Non, on ne l'a jamais fait. Merci, Marcel. Que les uns et les autres apprennent à assumer leurs actes. On ne l'a jamais fait. Bon. Supposons que tout ce que je vous ai détaillé là, ils ont insulté Marganguele, ils ont insulté l'ambassadeur, ils ont refusé de payer les impôts. Ils viennent mentir ici. Et quand ils partent dire qu'ils n'ont pas tué Martinez, on va les croire? Chers voisins, dites-moi, on peut les croire? On peut croire à ces gens? Vous n'étiez pas témoin quand ils ont insulté le SG de la police, d'où le mon cher voisin, vous croyez que nous pouvons croire à ce genre de personnes? Eh bien, votre vision caca va s'écrouler. Brrr, comme un château de cartes. Donc, voilà quelqu'un. Amoukou lui-même, il passe rasé. Concolibon. Il vient s'asseoir. Et mon coca est baissé. Pardon, s'il te plaît. Pardon. Hein? S'il te plaît. Non, tu es juste avec le tout. Donc. Ah, en tout cas, attends, on va gérer après. Donc, voilà quelqu'un qui a insulté tout le monde. Il vient dire ici que Amoukou s'est rasé, Concolibon, il est venu s'asseoir à la télé. Il dit, je demande pardon au président de la République. Je demande pardon à Marganguele. Tu demandes pardon pourquoi? Parce que, pourquoi? Tu demandes pardon pourquoi? Il y a les vidéos hein, où il est assis à la télé comme un pingouin. L'homme bêtis, nous sommes les petits, nous allons faire le Mingbon Mingdial. Le Mingbon Mingdial pour les non-petits, c'est un tribunal coutumier. C'est-à-dire, ils volent l'argent de l'État, notre argent, mon argent, votre argent, et ils partent s'asseoir au village, ils disent que bon, on s'arrange, et c'est passé. Amoukou lui-même est allé s'asseoir dans la télé, il dit qu'il demande pardon à Paul Biya. Il demande pardon à Marganguele. Et lui, il excuse ceux qui l'ont provoqué. Après, quand il me cherche pour la réconciliation, il dit que
N'est-ce pas? J'étais dit que j'étais excusé à la télé. J'ai dit qu'entre toi et moi, qui va excuser l'autre? Tu as voulu me tuer, tu dis que même ceux qui m'ont insulté, machin. Moi, je t'ai pas insulté, j'ai juste dit les magouilles que tu faisais, cher ami. On continue. C'est une partie qui me fait rire. Déplorer l'amour. C'est comme ça. Le public se pas par l'invective, l'insulte ni le mépris des institutions de la République. Non, Jean-Pierre Amourou Bédinga a été un républicain qui a à tout moment su le démontrer et qui aujourd'hui, en toute logique et dans la force qu'il a toujours caractérisée, continue justement de faire face aux problèmes qu'il rencontre en ce moment. Votre soutien, lui, est important, est réconfortant, mais justement que le soutien ne devienne pas autre chose, que le soutien ne se transforme pas en règlement de compte. Vous ne saurez profiter justement d'une cause noble pour régler vos comptes avec des personnes. Si quelqu'un, vous dites qu'une cause noble mandaté qui que ce soit pour ce genre d'initiative, voilà. Insulter le couple présidentiel. Quand les gens là parlaient, il avait fait ce genre de communiqué que je n'ai mandaté personne. Quand les gens disaient Amougué innocent, il avait dit ça. Quand les prêtres partaient prier, il avait dit qu'il n'a mandaté personne. Et vous savez là où ça m'a fait rire dans la vidéo là? Là où il dit que Amougué a reçu une éducation. Là où il dit que Amougué a reçu une éducation qui ne le permet pas de dire n'importe quoi. Tu as reçu l'éducation de qui? C'est pas ce que Longué dit que tel elle est comme ses parents. Tes parents même sont d'abord mal élevés. Amougué Bédinga, tu m'as parlé de tes parents. Je respecte les parents. Je répète ce que tu as dit. Tu as dit de. Je m'arrête là pour l'instant. Alors, maintenant qu'on est à 554, entrons dans le vif du sujet. Vous savez, je ris avec vous. Nous sommes devenus comme une famille. On s'appelle d'ailleurs les Pérans. Et je dis certaines choses en rigolant, mais c'est des choses très sérieuses. C'est ma manière, je suis né comme ça et je n'y peux rien. Lors de ma dernière, l'avant-dernière sortie, le direct que j'avais fait, où j'avais parlé du déambulateur, dans ce direct, j'ai prononcé le nom de ce président une fois. Et j'ai prononcé ça pourquoi? Parce que ce président, en voyant mon direct ou après, même s'il n'était pas en train de voir, je savais qu'il allait voir après. Parce que il y a ses proches qui sont là parmi nous. Je savais qu'il allait voir de toutes les façons. Et je savais que le président de la République du Cameroun allait voir ce direct. J'ai prononcé ce nom exprès pour que notre président sache de qui je parle. Et quand le président a su de qui je parlais et a compris à quel point ce monsieur est fan de lui et a compris à quel point Amougou a abusé de ce monsieur, a décidé immédiatement après mon direct d'inviter le président voisin pour dire que c'est pas avec moi que tu causais. Et c'est après que j'ai vu que tu as cherché à me rencontrer plusieurs fois. Notre président là,
C'est à l'intérieur que les gens parlent mal de lui, mais à l'extérieur, il est sollicité. Il y a beaucoup. On peut dire que c'est lui le président de l'Afrique centrale. Beaucoup de chefs d'État veulent rencontrer notre président. Prenons juste et parlons du cas du président du déambulateur. Le président dit donc que bon, c'est pas possible. Comment ce monsieur veut me rencontrer et il m'aime tellement que dès que sa femme a entendu mes hommages, il est guéri, ils se sont mis à danser. Non, il faut que je reçoive ce monsieur. Je postais la lettre. Le président a immédiatement, avant que le président ne l'invite, les autorités là-bas m'ont dit que je suis personne non grata là-bas. Et honnêtement, moi, ce pays, mes activités ou quoi que ce soit, je ne pars pas là-bas. Parce que dans ce pays, on a tué un de mes beaux-frères. Je peux vous envoyer la vidéo si vous voulez. Il a été égorgé par les groupes rebelles. Égorgé vivant. Et moi, ce pays ne m'intéresse pas, honnêtement. Ce pays, c'est comme Ngaoundéré, leur capitale, Ngaoundéré dépasse ça. Je vais faire quoi là-bas? On dit que je suis personne non grata là-bas. Et Dieu faisant ces choses à cause de moi, quelqu'un qui cherchait à rencontrer depuis a décidé de l'inviter immédiatement. Il est venu. Quand je vois Bruno Bidjan, il dit que dans ce pays, il n'y a pas de plage. Tu vas voir les bikinis où? Il n'y a pas de plage là-bas. Ouais, j'ai des followers ici. Hein. Quelqu'un me dit que tu as oublié. Il n'y a pas de plage. Donc, oui, franchement, vivant, je vais demander. Si vous voulez, après, vous allez m'envoyer vos numéros et je vais vous envoyer. J'ai dit que Florence, Ngaoundéré dépasse leur capitale là. Il va chercher quoi là-bas? Moi-même, avant même qu'il ne me déclare persona non grata là-bas, j'avais dit que si je prends un vol, on me dit que je fais escale là-bas, que je ne descends pas de l'avion, hein, qu'on fait juste escale, on s'arrête, les gens entrent pas, je ne veux pas. Vous comprenez? Il est venu. Vous savez, quand j'étais petit, je suis dernier-né. Je suis très troublant quand j'étais petit. Ce qui fait que je faisais trop de dégâts, je tapais les enfants, je faisais des trucs et tout. Et quand le voisin arrive dans chez nous, je me mets à trembler. Je me dis que le voisin est venu dire que j'ai tapé son fils, machin, truc et tout. Quand je vois Bruno Bidjan, quand je vois Bruno Bidjan, se réjouir de la venue du président Touadéra au Cameroun. Il pense que le président Touadéra est venu plaider pour qu'on libère Amoko Bellingham. Eh bien, mes chers frères, vous vous trompez. La première victime de Amoko Bellingham, c'est ce monsieur-là. C'est le voisin-là. C'est le voisin-là. Quand le voisin est venu, il a dit à papa, c'est quand Amoko a créé comme dégâts chez lui, Amoko a gagné le marché de réfectionner la télévision et la radio centrafricaine. 31 milliards. Quand il a commencé à suspecter Amoko, il a amené les experts. Les experts sont venus dire que ce qu'il y a là n'atteint pas 2 milliards. Amoko est allé acheter les Chinois pour les mettre là-bas. Il a pris 31 milliards. Ce monsieur, quand on ouvrait Vision Finance, Amoko l'a entourloupé. Quand il a cité des choses que Amoko... Mais lui-même, quand il partait donner le lingot d'or, maintenant il dit, c'est le lingot d'or du peuple, ma chère. Quand il partait donner le lingot d'or, il ne savait pas que c'était pour le peuple.
Et le pire, il appelle Amoukou, hein, avant que ça ne choque, quand Amoukou était encore au CED, il dit à Amoukou que bon, remet les lingots d'or là. Il dit que toi, tu t'accroches aux choses matérielles, aux choses de la vie. Moi, je suis enfermé. Demande à ton homologue de me libérer. Moi, j'ai raconté ce qui s'est passé. Et après ça, on m'a redemandé en privé. Une personne m'a demandé en privé. Une autorité m'a demandé en privé. J'ai dit oui, j'étais là, on était au salon. Voilà, j'ai raconté ce que je vous ai raconté. Donc, là où le type là est venu là, il veut qu'on maintienne Amoukou dedans. Ils engagent des procédures. On liquide les choses d'Amoukou. Il reprend son argent. Et il ne veut plus rien faire avec Amoukou. Et là où Amoukou a la malchance, Kouemo est le conseiller spécial du président voisin. Kouemo est conseiller spécial du président voisin. Non, moi, s'il y a quelque chose que j'ai eu tort dedans, c'est crois par aide, danse par aide. J'ai aidé le couple présidentiel avec mon ami à danser. Et je n'aime pas beaucoup danser, donc on ne peut pas me condamner. Je peux répéter, je peux remonter comment moi j'ai dansé. Dans les histoires de danse par aide, là, je ne suis pas là. Je ne suis pas dedans, enlevez-moi là. Et qui a vendu la messe? Qui a dit la vérité pour boucler tout? Si je ne faisais pas ce direct, ce monsieur va rencontrer le président. Donc, la danse du pied, quand le père a vu ça, et la mère, ils ont ri l'histoire là, ils ont dit qu'ils n'ont jamais vu un direct comme ça. Il y a quelqu'un qui a dit que c'est ton meilleur direct ici. Quand papa a vu ça, papa a dit que les Camerounais ont l'habitude d'aller frapper les gens. Il y a un qui était allé frapper quelque part, il avait dit qu'il est prince. On a appelé papa. Papa a dit oui, au Cameroun, tout le monde est prince. Papa a dit qu'il n'a jamais vu quelqu'un faire des dégâts comme Amoukou. Vous vous rappelez l'histoire du Togo où j'avais appelé la présidence, j'ai appelé le EGPR là-bas. On a tendu une piège à Amoukou, que s'il venait là, on allait l'arrêter. Pam, Guinée équatoriale. Amoukou a eu vent, il n'est plus parti là-bas. Qu'est-il devenu cette histoire de Amoukou Belinga? Allez sur YouTube. Vous tapez Amoukou Belinga au Togo, vous allez voir. Il était allé mentir que non, c'est le président qui m'a appelé. Il a appelé le président qui est à Vision 4 là. Ils ont causé, non. Donc, quand je vois les gens de Vision 4, c'est-à-dire l'ignorance, c'est quelque chose. Moi, si j'étais au Cameroun, je ne t'aime pas. Quand je vous dis toujours qu'il faut avoir des bons rapports avec les gens, la preuve, tout ce que je vous dis, vous avez vu quel est l'influenceur ou bien... moi, d'abord, je ne suis pas influenceur. Hein. Moi, je parle rien que le sujet Amoukou et je m'y mets à fond. L'histoire de M. Joly que j'ai parlé, c'est parce que ça avait un lien avec Amoukou. Je n'ai aucun problème avec Marlène Mvoutou. C'est derrière l'histoire, c'est derrière. C'est quand j'avais vu les choses dehors que moi, on m'a dit à machin, à Koningi, que Amoukou dansait parce que on a mis les choses de son ex ou quoi, un truc de ce genre. Sinon, moi,
sur Internet, je n'ai pas de problème avec qui que ce soit. Je n'ai que... Ce n'est qu'avec Amougou. Donc, quand je vois, comme vous, un petit marabout vient vous mentir qu'on va libérer Amougou, vous appelez le service traiteur. Comme vous avez vu le président voisin, j'espère que vous n'avez pas fait des trucs. Hein? J'espère que vous n'avez pas fait de machin aujourd'hui. J'espère que vous n'avez pas fait de buffet aujourd'hui, des services traiteurs. Sachez que le voisin là, Amougou a tellement abusé de lui. Amougou a dit au voisin qu'il va goudronner tout leur pays. Amougou, quand il manque des mensonges irréalistes. C'est comme si je te dis que demain je vais nettoyer tout le ciel. Donne-moi l'argent. Donc, c'est comme si je vous dis que bon, non, demain je vais nettoyer tout, je vais chercher l'échelle, je vais monter au ciel, je vais nettoyer le ciel, ça va devenir bien bleu, machin. Donc, sachez que la venue du président voisin est venu plutôt aggraver la situation du homme là. Le jour que ce homme là partait, je vous avais dit non, je vous ai dit que quand ce homme là a rendez-vous au tribunal, il était sûr qu'on allait le libérer le jour là. Depuis 3 heures, le gars était, il a mis le pointini. Les anciens chaussures là, il a mis ça, il était assis, il attendait. Et vous savez ce qui s'est passé? La voiture qui devait l'amener là-bas, on a commencé à tourner. Amougou a compris que quelque chose n'allait pas. Donc, on a dit qu'il repart en prison, on a rejeté sa demande là avant qu'il n'arrive au tribunal. Donc, il est arrivé au tribunal là, il souriait. Bonjour, monsieur le président. Machin. On lui dit que non, ton dossier vient de passer, on a renvoyé, donc tu vas rentrer à machin. C'est là où il prend le téléphone, le fameux numéro qui finit par 02. Il appelle tout le monde, personne ne prend. Et là, je sais ce que ça fait. Le peu de temps que j'ai passé là-bas, je sais ce que ça fait. C'est dans ce genre de moment que tu sais qui est pour toi, qui est avec toi, qui est contre toi. C'est-à-dire le Cameroun. C'est-à-dire ce n'est plus un continent. C'est on appelle ça quoi? Planète. Les gens qui escortent Amougou pour le tribunal, avec les tolki-walki, ils parlent avec les langages de code. Croco 1 pour Croco 2, croco, l'autre dit Croco 3, le colis 1 pour colis 2, colis bien, bien machin. On dit, donc ils parlent avec les langages de code là. Dès qu'on dit que non, le dossier d'Amougou est passé, les gars ont accéléré la voiture. Bon, Amougou arrive. Comme il est sec là. Le gars était costumé. Hein? Frais, il croyait qu'il allait blaser le juge. On était là. Il arrive, il trouvait quelques villageois là qui sont venus du village. Il lui dit, Ngongomboye. Ngongomboye, ça veut dire que comment ça va? Il salue les gens. Parmi les villageois là, si j'en crois toujours à Amougou, Amougou dit non, on va gérer ça. L'autre dit, Zamba na yop, ça veut dire que Dieu au ciel, Satan est à terre. Donc, il oublie qu'Amougou est à terre. Donc, Dieu au ciel,
Satan a nasty. I'm going to tell. No, I'm going to Satan. I'm going to Satan. Le père là, il y avait un père, il dit non. Amougou rassure le papa là que, que non, on va sortir. Il ne sait pas que son dossier est déjà passé. Hein. On ne sait pas que, il ne sait pas que, donc il est en retard. Pourtant, les gens qui devaient l'escorter là-bas, qui ne connaît pas que être choqué avec Amougou, là tout le monde sait, c'est pas un secret. Elle ne peut même pas dire, elle ne peut même pas mentir, ça se sait. Donc il y a des choses même que on ne peut pas parler ici parce que on, bon, vous savez qu'on est au téléphone. Je parle comme quand Amougou parlait avec l'ambassadeur, il dit bon, vous avez envoyé, vous savez qu'on est au téléphone. Donc Amougou arrive dans la étant frais, non. Il trouvait les villageois là. Un homme là. Il dit non, il dit Ngongomba, il a salué tout le monde. Il y avait les étonnes aussi qui étaient là, un collectif. Il dit non, ma chère, le vieux là a dit Zamba Naïo. Satanana, Amougou a dit on va régler ça. Dès qu'il a entré, on dit monsieur, votre dossier est passé. Il dit ah bon, donc c'est réglé. Entre temps, il a donné l'argent à quelqu'un à la présidence. Le grand frère là. Si tante aussi, je vais parler, je vais dire à papa. Papa, suis-moi direct. Le type là, j'ai son nom. Le type là, il est à la présidence, il a pris l'argent. Amougou était sûr qu'il allait sortir. Il arrive là, chaud, chaud. Il a pris tous ses documents et tout. Imaginez-vous Amougou avec la Bible. Quelqu'un qui faisait les partout, partout, avec la Bible. Donc il arrive, il ne savait pas que son dossier était déjà passé. Quand on dit que bon, c'est passé, on dit bon, montez donc. Il dit qu'on demande qu'il monte avec ses avocats. Il y avait maman Sarah, il y avait sa première femme, il y avait Mélie et tout le monde. Et ils sont là, ils sont allés causer. Vous savez, les avocats, je respecte les avocats. L'avocat a une solution à tout. C'est-à-dire, indem. Tu payes quelqu'un pour qu'on te libère. Quand tu donnes la libération sous condition liberté provisoire, il prend l'argent, il mange lui d'abord. Il te dit qu'il va donner à tel, il mange. Je connais ça. Et quand ça n'aime, il te dit encore, il te sort encore un autre schéma. Il a dit que non, on va encore faire ceci. Maintenant, on va faire une demande que on veut le. Vous voulez quoi avec le dossier? On remet le dossier n'importe comment au tueur. Vous êtes malade. Vous croyez que vous êtes où? Si déjà la famille de la victime n'a pas demandé ça, vous demandez. Ah, on veut la dinde de Martinez. Faut maudire. D'autres même ont dit que Martinez dort chez Jipoy Remingo. Et moi, la fois passée, je vous avais dit que même si Martinez sort là, il rentre et dit non, moi j'étais à Paris, je viens d'arriver, on va dire que va, tu es vivant, on va, mais Amougou va rester, il a d'autres problèmes. Je vous dis que Martinez arrive là, il peut même recommencer son émission, machin, embouteillage là. Lui, on voit que voilà Martinez, on ne libère pas Amougou. Mais vous vous rendez compte, quelqu'un, mais papa a tiré les oreilles au voisin. Parce que on veut déstabiliser le Cameroun à partir de chez le voisin. C'est un voisin que quand tu arrives chez lui, la mamie, au salon, le machin, ça dit,
C'est-à-dire avoir un voisin. Il y a des voisins nuisibles ici dehors. Hein. Tu vas entendre bam, un groupe de rebelles entrer vers Garamboulay. Papa lui dit, fais attention. Mais attention, tu m'aimes bien. Tu m'apprécies. Mais attention, je sais tout ce qui se passe. Les histoires de Wagner et Amougou. Amougou sort d'eau pour payer les gens de Wagner de la Centrafrique. Après, vous dites que vous voulez le dossier. Moi-même, là où je suis, là, j'ai peur de parler du dossier. Là. Donc, maintenant, les avocats, tous les jours, donc, comme ils ont loupé là-bas, ils te disent, bon, maintenant, on demande le truc. Et ce qui se passe actuellement, le nouveau juge va recommencer tout. Et on va reprendre à Picoro. Et le beau-père. Beau-père, si tu connais comment sortir du pays, mais ce qui est carrément impossible, on va te reprendre. On va reprendre à Picoro. On va prendre le colonel beau-père. Le type qui avait bagarré avec Amouba à cause du Sangala. Le type qui a vendu sa fille à Amouba. Même à Picoro, son père l'avait vendu à Amouba. Vous savez de quoi je parle? Quand j'avais dit que Picoro et sa femme sont les femmes de Amouba. Vous vous rappelez? Donc, c'est parti comme ça. J'ai proposé à Amouba. Il demande, qu'il appelle un peu tonton Vabolke. Il demande des renvois en renvoi. Et c'est là que le massacre commence. Eh oui. C'est bon à moi jusqu'à vous ne pouvez pas imaginer, chers compatriotes, chers Camerounais, chers voisins, chers voisines. C'est, ça me plaît comme vous ne pouvez pas imaginer parce que ce méchant tellement fait du mal aux gens. Jean-Pierre a fait tellement du mal aux gens. Tu arrêtes une pauvre femme comme cette dame de machin, on appelle ça quoi, des impôts. Tu l'enfermes à Mougou. Et aujourd'hui, à Mougou, ses avocats, son avocat Lolo de Tchungal, vient parler. Mon client avait les relations avec Danoé qui venait lui donner les informations concernant nos frontières. Mon Dieu! Un avocat peut dire ça, mais moi là, je ne peux pas dire un truc comme ça. Je vous jure que si moi j'avais un avocat comme Tchungar là, je virais ce gars immédiatement. Et entre temps, non. Quand je vois les femmes d'Amougou. J'ai réfléchi beaucoup. Hein? Amougou n'a pas fait 3 mois. Hein? Mais Edmond Tambalon. Qui connaît Edmond Tambalon? Les gens de Ranger là. Maman Salas vient seulement comme ça. Hein? Coco Glams, le direct de la Grand Clarisse. Merci. Donc, qui connaît Edmond Tambalon? Maman Sarah a pris les vestes de Amougou pour donner à Edmond Tambalon. Merci. Maman Sarah a pris son shoga, hein? Il a donné, il prend les habits d'Amougou pour donner à son show. Il porte, il part en balade. Mon Dieu! Mais lui, ça va faire comment? Bonsoir, Jacob. Non, c'est-à-dire. J'ai peur des femmes. Allah. J'ai regardé la tête de Edmond Tambalon. J'ai dit, l'histoire-ci, ça va finir au tribunal criminel spécial.
Vous imaginez qu'on m'arrête. Moi, ma femme prend mes costumes, mes chaussures. Elle donne à Edmond un ballon. Edmond un ballon conduit la Mercedes. T'as dit, tu n'es pas mort, hein, on partage ces choses. La malédiction, le karma zomlatique. Je vous dis, non, maman Sarah a élevé le niveau. Mélissa, elle fait ces choses avec ses petits gars, comme avant, les gars de son âge. Elle est tranquille. Mais maman Sarah, vous connaissez les gens de sécurité, on appelle ça quoi, Ranger Security. Maman Sarah descend, elle voit le colosse là. Elle dit, toi, tout vient demain en civil. Tout ne vient pas en tenue. Le lendemain, c'est le gars qui va enlever l'étoile d'araignée. Et dans tout ça, il y a les gens qui vont trahir, hein, chez les hommes-là. Les hommes-là connaissent tout. Qu'est-ce que c'est quand tu donnes 10 000 à un Camerounais, tu suivais tout. Quand les hommes-là est arrivé l'autre jour au tribunal, il a toisé maman Sarah, il est passé vroom, comme un taxi plein. Il est allé voir sa première femme avec Mélissa. Il ne sait pas que même Mélissa même est dans des problèmes. Et l'autre jour, je faisais un direct. Quelqu'un m'a dit que j'aime Mélissa. J'ai dit que non. Le jour qu'on a arrêté Amogo Belinga, j'ai pris la photo de Mélissa pour narguer Amogo. C'était la joie, j'étais ému. J'attendais qu'Amogo fasse l'erreur pendant 3 ans. Je surveillais Amogo. Et pendant le direct, vous pouvez aller revoir le direct, j'ai dit qu'il faut avoir des tendances homosexuelles pour aimer ce genre de femme comme Mélissa, parce que pour moi, elle est comme un garçon raté. Elle a le genre qui a les fesses dures, elle a les mollets. Donc, elle est comme un garçon. Il n'y a rien de féminin en cette femme. Donc, j'ai dit, c'est mon avis. C'est mon avis. J'ai donné mon avis. Elle a dit qu'elle va me répondre. Amogo lui dit que si tu veux que je meure ici, va répondre Bachourou. Va. Parce que vous ne connaissez pas la conjoncture. C'est des choses politiques. Monsieur est le seul qui les nargue tous. Bande de tueurs. Bruno Bidjan, on va te reprendre. Le nouveau juge a dit que tu es dedans jusqu'au cou. Même Maman Sarah, on a déjà son dossier est scellé. Oui, Mélissa n'a pas dit qu'elle va me répondre. Amogou le dit. Bachir, t'as dit quoi? Non, il m'insulte, c'est toi qui as traité avec lui, moi je ne le connais pas, je veux répondre à ce gars, il ne me connaît pas, je fais des vidéos. Amogo, regardez, tout pour toi, ce n'est que ta petite personne, va répondre à Bachour. Est-ce que tu connais la conjoncture? Si tu veux que je meure ici, va répondre à Bachourou. Maintenant même, tu vois comment on gère avec lui. J'ai pu respirer pendant qu'il était à la main. Maintenant, il revient, il part doucement. Tu veux qu'il accélère? Va répondre à Bachourou. Il s'est levé, il est parti. Après, il a commencé à bavarder seul. Il dit que les femmes, elles voient rien que sa tête. Moi, on m'a insulté. Bachourou m'a insulté combien de fois? Je n'ai pas parlé. Vous croyez que je suis fou? Hein? Elle regarde seulement rien que sa tête. Mélissa vient me répondre. Voilà, maintenant j'ai traité, j'ai lavé, rincé avec l'eau de Javel. Cet ignare, ce villageois de Ona. Lui aussi vient me répondre. Et j'ai oublié.
pour Marcia Lona. Vous savez, leur émission qu'ils font, Tour d'horizon. C'est une émission où les gens qui aiment les choses bizarres que je ne veux pas parler, où l'homme parle avec l'homme là. Quand ils voient tour d'horizon, ils voient quelqu'un, par exemple, ils voient un présentateur. On dit non, le gars qui était habillé en veste là, il faut m'envoyer ça. On appelle amoureux. On va donner même 2 millions, machin, on va lui donner 2 millions. Et ça, il faut qu'ils font ça. Donc, Amoureux jouait en quelque sorte le rôle de proxénète parce que quand ses amis voient ses journalistes, il a un ami journaliste qui a changé, qui a donné le nom d'un autre journaliste qui m'avait lavé à Vision 4 à l'époque. C'est un Sud-Africain qui avait changé son nom. Donc, le Sud-Africain a aimé le journaliste la mère. Le journaliste a été le plus costaud de tous ces journalistes-là. Quand il marche, ses fesses sont comme ça. Le Sud-Africain l'a fait devenir fou. Il aime le gars la merde. C'est lui qui l'avait collé le nom Perfecto. Non, Parfait Haïti, ça fait Parfait Haïti. C'est le Sud-Africain là. Il aime Parfait Haïti, pas possible. Et ils font les choses là. Martial Ona, il a aussi son gars préféré qui fouette ça bien. Alors, un temps, eux tous, le derrière avait lâché. Parmi eux, il y avait trois que le derrière avait lâché. Au nom de Dieu, moi, je ne savais pas qu'on faisait les histoires de coudre le derrière, la boîte à caca, là, on peut coudre pour que ça devienne compétitif. On envoie ce Martial. Ils étaient allés trois en France. Ils sont allés en France pour l'opération. Le docteur les avait dit que vous ne devez rien manger à part du yaourt ou de l'eau, quelque chose de liquide. Donc, le villageois de Martial Ona a retrouvé un endroit qu'on appelle KFC. Ils font les poulets panés là, KFC, en France. Le gars est allé acheter le big KFC là, gros comme ça. Il est rentré à son hôtel. Il a mangé. Il a mangé tout. Il a bu le jus sur ça. Le lendemain, on part les opérer. L'opération se passe bien. Vers midi, Marcel a les problèmes. Il va aller aux toilettes. Et là-bas en bas, tu as des choses dans ton bas. Tu as dit, vers midi, Marcel dit que lui va aller aux toilettes. On dit que non, si c'est pour uriner, non. Il dit non. Il dit, c'est pas pour uriner. Le docteur dit, quoi? On vous a pas demandé de pas manger? Il dit non. Quand il est entré, il a vu c'est écrit KFC. Il est entré, il a pris le poulet. Avec le fruit de pomme, avec le ketchup. Le docteur a mis la main sur la tête. Il dit quoi? N'est-ce pas? Et tous ces gens, les deux autres que je ne cite pas aujourd'hui, parce qu'ils ne m'ont rien fait. Ils ont respecté, ils ont bu l'eau. Ils ont supporté les trois jours après. L'opération s'est bien passée. Mais Martial n'a pas supporté. Tu connais quand tu veux aller aux toilettes, tu supportes.
Après, il est allé supporter. Il est allé balancer les choses. Le truc s'est vendu. L'opération est finie. L'opération s'est gâtée. Zomla était dans tous ses états et l'opération l'a coûté cher. Quand vous allez sur Facebook, vous allez voir, il était à Paris, il s'est filmé. C'était pour aller coudre le derrière. Le gars est allé sortir les gros caca. Ça a rebousillé toute l'opération. L'opération est gâtée. C'est lui qui parle là, Martial là. C'est gâté. Zomla a crié. Tu ne pouvais pas t'assainir. Tu ne pouvais pas faire comme tel et tel. Ils n'ont pas mangé. Voilà, leur opération a réussi et tout. Ils vont repartir travailler maintenant au Cameroun tranquillement. Machin. Toi, tu vas gâter l'opération. Martial a été obligé de rentrer avec les bandages. Il mettait les couches. Il est reparti encore pour qu'on arrange. Et aujourd'hui, il vient donner des leçons aux Camerounais. Mes chers Camerounais, n'acceptons pas que ces gens nous marchent dessus. S'il vous plaît. N'acceptons pas. Quand vous voyez des gens dire des trucs comme ça, sur le téléphone, on ne peut pas t'arrêter. Allez sur son poste et dites-lui que tu, monsieur, tu mens. Ils peuvent dire ça aux gens qui ne les connaissent pas. Ne vous avais-je pas dit la fois passée que toutes les femmes qui travaillent à Vision 4 sont passées par l'antichambre de Amoko Bellinga? C'est-à-dire, tu es un homme, tu sais que ta femme travaille quelque part. Un tintin mange ça. Bien, hein? Ta femme rentre, te dit chérie, t'es même la bise. Tu es content? Les femmes qui sont passées par Vision 4, Vision Finale, Vision Machin, toutes, même celles qui balayent, Amou va manger. Amou n'a pas, c'est-à-dire, il mange tout. Donc, conclusion, retenez que grâce à mon direct, nous avons renouvelé les relations de bon voisinage avec notre voisin. Et grâce à mon direct, le voisin est venu se plaindre chez papa. Et papa a pris note. Il a pris acte. Et la procédure continue. Donc, quand je vois ce tintin, ce gringalet, Amour avait raison de dire que quand il avait arraché la pierre, tu manges tous les jours, tu ne grossis pas. Je n'ai jamais vu un enfant comme ça. Il est là tous les jours et pas, quand on va au restaurant, lui, il mange tout. Il ne grossit pas. Il est content que tu as de la vie. Il ne sait pas quand tu as ces bruits. C'est ça que j'ai dit. Soit les employés de Vision 4 ne connaissent pas les devoirs d'Amoko Bellinga. Soit ils connaissent et ils font, ils jouent le jeu. Parce que s'ils connaissaient, et quelque chose me fait ça, me dit qu'ils connaissent parce que parmi eux, beaucoup cherchent le travail ailleurs. Honnêtement, si une entreprise fonctionne normalement, par exemple chez Yubas Invest, j'ai besoin de dire à un de mes employés qui va dire aux gens que non, ça n'est pas sans problème. Pour les gens qui réfléchissent un peu, premièrement, c'était d'abord Bonnie Philippe qui avait dit non, ça n'est pas sans problème. C'est des missions commandées. Après, une autre fille allait dire nous sommes bien entretenus. Qui vous a demandé? Il y a quoi, nous? Hein? On dit à des noms que c'est comment. Vous avez besoin de venir vous justifier. Vous voyez quelqu'un qui allait se faire opérer le derrière. Il n'a pas respecté les prescriptions médicales. Il est allé manger. Il a vu KFC. Il était ébahi. Il n'a jamais vu ça au Cameroun.
KFC a traumatisé ce gars. Il a demandé qu'on donne deux dans le carton là, le poulet pané avec les frites, les ketchup, tout il a pris. Le gars est rentré dans son hôtel, il a fermé. Il a tout mangé. Le lendemain, il est allé faire l'opération. À 12 heures, le poulet de KFC a dit que je veux sortir. Quand le poulet veut sortir, tu vas l'empêcher comment? Avec le ketchup, avec les frites de pomme. Il fait aujourd'hui, Oudi, non, monsieur KFC, oui, KFC, vous connaissez KFC, c'est comme McDonald's. Le poulet, non, le poulet, c'est la magie, là, je suis d'accord, mais ça a traumatisé l'autre, Martial. Aujourd'hui, vient dire. Amoukou, respecte les institutions. Tu respectes les institutions et tu insultes le secrétaire général de la présidente qui a la délégation de signature du président. Vous prenez même pour qui là? Hein? Vous croyez que votre pays, si vous, le pays ici si vous appartient? Et vous avez même la malchance. Vous n'êtes pas nombreux, vous les haineux. Les gens qui prennent la haine là, vous n'êtes pas nombreux. C'est-à-dire, c'est comme si tout, vous poussez tous les autres ethnies à vous haïr. Vous insultez les Bamilékins, vous insultez les Nordistes, vous insultez les Sawa, vous insultez les Bamoun. Et vous n'êtes pas nombreux. Vous êtes, c'est-à-dire, je ne sais même pas. J'ai pitié de vous. Quand je vois quelqu'un comme Dieudonné et Somba, moi, j'ai côtoyé des économistes. J'ai vu des économistes qui respirent, qui vivent bien. Il y a l'autre salle qui a fait économie. Il est bien. Il y a Alassane Dramane Ouattara qui a fait économie. Il est bien. Mais voilà quelqu'un qui a fait économie pour finir par aller élever les pauvres. À quoi ça t'a servi, ton économisme ou ton l'étude d'économie? Ça t'a servi à quoi? C'est un haineux, un tribaliste. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui déteste les Bamilékins et les Nordistes comme si Dieu donnait son bac. Imagine, je paye les études à mon enfant pour devenir économiste et il se transforme en un éleveur de porc. Un monsieur crasseux, sale, c'est-à-dire à vue d'œil, tu sens qu'il pue. Il vient insulter les Bamilékins, il vient insulter les Nordistes. Il dit en quoi il a aidé le Cameroun. Mais Liliane, mais je te comprends, tu ne comprends pas l'autre économiste là. Tous les économistes que je connais, sont des naturels, ont l'argent. Moi qui n'ai pas économiste, je sais gérer l'argent plus que ce vieux-là. Et je sais gagner l'argent plus que ce vieux coulard-là. Je n'ai pas fait économie. Hein. Mais l'entreprise que je dirige, il ne peut pas diriger. Il habite dans les élobies à machin, à Oyoma Bangou, bien quelque chose comme ça. Dans les élobies, dans les marécages, un économiste, sur les télévisions, il a toutes les solutions pour rendre le Cameroun riche. Mais il n'a pas de solution pour habiter à Bastos. Oui, Yolande, il est dingue. Il est, c'est même pas dingue. Quand quelqu'un est dingue, c'est un haineux. Il déteste les autres tribus. Il s'assoit carrément. Il dit Frambia. Si Frambia veut être président, moi je connais Frambia. Je soutiens Frambia. Lui, il n'a jamais rencontré Frambia. Il n'a jamais rencontré Frambia. Tous ces vantards que vous voyez là. Moi, j'ai rencontré le président de la République. J'ai salué le président de la République à plusieurs reprises. J'ai des photos. Tu vois quelqu'un dire je suis patriote, mais il ne connaît pas le président. Le président n'est même pas au courant de lui.
Il vient faire la cour de Franck. Il ne sait pas qu'il est en train d'enfoncer Franck. Franck Bia n'a pas besoin de ces gens. Franck Bia n'a pas besoin de toi, vieux. Va t'occuper de tes porcs. Il insulte les Bamilékins. Un jour même, dans une de ses vidéos, j'ai vu dire, allez élever vos porcs. Après, j'ai vu une vidéo, il y a une émission, il dit, j'ai les porcs, j'élève les poissons silures là, les poissons que tu manges, c'est comme les ponches là. Voilà un économiste. Il a, mais j'ai vu des économistes, il y a l'autre qui est mort là, qui était avec Kamto là, il s'appelle qui Il s'appelle qui, ouais. Pendekoka avait une belle maison, il s'habillait bien, il a une belle voiture, il est bien. Mais celui-ci a une voiture que ça s'arrête dans tous les carrefours. Maintenant, il roule à taxi. Et il a une solution pour rendre le Cameroun riche. C'est-à-dire quand il s'assoit sur les plateaux de télévision, les gandouras que vous voyez, les boubous que vous voyez qu'il porte là, c'est les faux tissus qu'on va à la brique à 7000, 8000 qu'il porte. Maintenant que les vestes l'ont dépassé. Un jour, quelqu'un m'a fait la capture de ses chaussures. Le gars là, je ne sais pas comment il fait. Il marche comment, je ne sais pas. Les chaussures là sont rongées d'un côté comme ça. Tout. On m'avait montré la photo là, j'ai dit, ça c'est quel économiste. Moi, Bachir aussi, je faisais l'économiste, je devais être multimilliardaire. La preuve, je ne suis pas économiste, mais je vis pas la vie de misère qu'il vit. Oui, Julie Ramat, Pendai Koka, c'est un économiste. Nous avons des grands économistes. Un économiste, d'abord, c'est quelqu'un qui sait se faire de l'argent pour lui d'abord, avant de faire pour d'autres personnes. Mais Florent Djoko, tu sais quoi? Quand je dis que ces chaussures sont rosées d'un côté, est-ce que c'est faux? Voilà un autre encore que tous les Camerounais n'ont pas vu. Moi, j'ai vu ça. Il a les cornes, Claude Abbé. Vous savez à qui? Les Camerounais pensent qu'ils s'adressent au peuple, au petit bas, au bas peuple. Non, ils s'adressent à la première dame et au EGPR, le ministre de Tangongo, quand il dit que tout le monde doit rentrer chez lui. Il oublie que le président de la République est du Sud et non du Centre. Vous vous rendez compte? Et tout ça, c'est Amou qui les demande de dire ça. J'ai mis sa photo sur ma page. Allez voir. Il y a deux cornes qui sont en train de sortir là. Et s'il continue, ça va sortir. Quelqu'un m'a dit, Bachir, je n'avais pas remarqué vraiment, tu m'as ouvert les yeux. Ici là, il y a deux boules. Tchouk, ici. Tu sens un nœud. On ne parle pas de politique ici. On ne parle pas de politique. Je respecte chaque parti politique au Cameroun. Je respecte l'opinion de tout le monde ici. Je n'insulte d'ailleurs, je ne m'avais jamais entendu insulter quelqu'un. Quand j'ai dit que l'autre, il s'appelle qui? Il s'appelle Georges Dieudonné Somba. Vient soutenir, vient dire que si Franck Bia veut être président, qui va l'empêcher? Pourtant, il n'a jamais rencontré Franck Bia face à face. Il n'a pas le numéro de Franck Bia. Tout comme les gens de Paris, là. C'est-à-dire, là-bas, alors, c'est la magie. On te dit, président tel. Tous sont des présidents. Voilà les gens qui défendaient Amougou. Que Vision 4 vient dire que ne nous défendait plus. Parce qu'ils savent que c'est gâté. Et les gars les appellent que non, remettez-nous nos reliquats. Les gars refusent et on dit que bon, si on se retourne contre Amougou, on va comprendre le jeu. Maintenant, on va insulter le président tant que vous ne donnez pas l'argent.
C'est-à-dire, vous prenez des gens, vous les transformez en monstres. Mais il y a un que je vous dis, s'il fait l'erreur de venir au Cameroun, Interpol va le prendre. C'est-à-dire, s'il a même la malchance de passer dans un pays africain, là, il est foutu. Dans un pays qui a des contacts avec le Cameroun, là. Non, il est foutu. Parce qu'il a commis l'erreur. Ce gars a défendu Amougou Belinga tellement que il a commis l'erreur de dire un truc que le service de renseignement l'attend des pieds fermes. Où est votre ami qui a la montre de 450 millions? Mais l'autre jour, j'étais dans la voiture. J'étais dans la voiture. On me dit qu'il y a un gars au Cameroun. Il prend les taxis. On dit qu'il a une montre de 450 millions. Et bah là, vous vous rendez compte? Il n'a pas une chemise que non. Quand tu vois, tu dis que non. Le gars, si il est propre, machin. Il a les verres. Les verres là, peut-être il a fait 30 ans avec. Les verres là, les bords là sont noirs. On ne sait pas si c'est que pour les nyangas qu'il fait ou bien il est aveugle comme moi ici. Je ne sais pas. Il dit qu'il a une montre de 450 millions. Voilà donc quelqu'un qu'on devrait même arrêter. Il a fait comment pour avoir ça? Ça veut dire que c'est un braqueur. Il demande. On doit entendre Paul tout à l'heure. Je suis allé. Ça dit, il dit des énormités. Ça dit, il dit que Paul Tuta était avec Martinez à Mobile Omnisport. Après 30 minutes, Paul Tuta a annoncé. Le lendemain, il est allé à Mobile Omnisport. C'est-à-dire, les gens qui avaient vu Paul Tuta ne sont pas quittés de là le jour que Paul Tuta était avec Martinez. Jusqu'à Ebala est venu les trouver au même moment. Ils ont dit à Ebala que on a vu Paul Tuta entrer dans la voiture. Ils étaient dans la voiture. Nous n'étions pas dans la voiture, mais nous avons entendu que Paul Tuta a demandé à l'autre, à Martinez, que pour moi c'est combien. On dit que bon, tu peux donc amener ces gens pour témoigner. Il dit que non, vous connaissez les Camerounais. C'est un zinzin. On doit l'envoyer au centre de Jamon. C'est un zinzin. C'est quelqu'un que, depuis que le colonel Mbanku l'avait giflé là, il n'a plus retrouvé le nom. Il est à côté. Tous doivent être arrêtés. Tous. Et la bonne nouvelle que je vous donne aujourd'hui, c'est que vous vous rappelez quand je vous disais qu'on allait arrêter Amougou Belinga. On l'avait arrêté. Beaucoup parmi vous ne m'avaient pas cru. Après, quand on l'avait arrêté, il a fait un mois ou quelques temps à ma chaîne. Je vous avais dit qu'il devait descendre à Kondingi. Je vous donnais l'information avant, peut-être, souvent même une journée avant, parfois quelques heures avant, je vous dis, il est allé à Kondingi. Me voici encore qui vous dit que le type que les gens Kamougou appellent les pauvres types, c'est lui qui est juge, Sikati, c'est lui qui va gérer le cas de Amougou. Donc, quand il dit les Bamileke sont les pauvres types là, il a la malchance qu'il est tombé sur un juge Bamileke. Et le juge Bamileke dit que lui vient d'arriver et il ne connaît rien. Donc, il recommence à zéro. Donc, les gens qu'on a libérés par machin, on appelle ça quoi? Par libération conditionnelle, machin, on va les arrêter. Apikoro, fais ton sac. Commence à arranger ton sac. Ivana et son bateau de l'autre côté, tu vas payer pour le sang de Brian Fombo. Mademoiselle Melissa, Madame Amougou Belinga, tu vas aller en prison. Je vous annonce ça. Et les gens qui m'ont dit, la personne qui m'a dit ça, c'est une personne de sûre. Et quand il a fini de me dire, j'ai dit, mais tout ce que tu m'as dit là, je peux parler? Il dit, eh ben, je sais que tu es un parleur et que tu vas parler. Je te l'ai dit.
Donc, il m'a donné l'autorisation de parler. Je ne parle pas bêtement et n'importe comment. Tout comme l'autre jour, quand j'ai prononcé le nom du président Vagin une fois, c'était, je m'adressais au PR, je m'adressais à mon père, à papa. Et ça a marché comme on veut. Donc, nous allons continuer. Ceux qui ont peur qu'on libère Amogou Bellinga, dormez tranquille. Ceux qui ont peur qu'Amogou Bellinga s'évade, j'ai donné tous les détails, comment on fait pour s'évader Amogou Bellinga. Vous avez vu l'escorte qu'on a pris pour l'amener, une seule personne pour l'amener à ma chaise. S'il était innocent, on l'allait mettre Amogou Bellinga dans un simple petit... on mettait quelques policiers dedans. Vous avez vu le cortège qui a escorté Amogou Bellinga? C'est un tueur en série. Il était escorté comme Ben Laden. Quelqu'un d'innocent, on peut l'escorter. Il faut souvent lire les signes et les gestes, les faits et gestes. Donc, nous allons devoir nous quitter parce que je vais aller travailler. Je vais faire un déplacement et ça fait un plaisir de recadrer certaines choses que je voyais parce que le camp d'en face croyait que la venue du président voisin, c'était pour plaider pour le patron. Ah non! Et M. KFC, il va entendre ce que j'ai dit. S'il a les couilles, qu'il s'affronte à moi. Et moi, quand il s'affronte à moi, avant que moi, je l'affronte, je lave d'abord Zombla deux fois avant de descendre sur l'autre pour montrer que c'est son patron qui est mon égal. Pas en âge, hein, mais... Et j'ai un quotient intellectuel très élevé, excessivement élevé, sorti de Kondengi, Nyangalema. Comme Bachir l'a fait, c'est de l'inutile. Donc, mes chers voisins, mes chères voisines, je vous aime. Et le soutien que vous m'apportez me procure beaucoup de bonheur. Et quand je vois souvent vos messages, ça me réconforte. Ça me réconforte. Vous savez, je ne suis pas au pays et il n'y a qu'avec vous. Quand je vois des messages que vous m'envoyez, ça montre que je suis au Cameroun. Donc, vous m'aidez à être au Cameroun. Mais tout ça va finir. Je serai bientôt au Cameroun et on se verra. Pour ceux qui sont en Europe, après le Cameroun, avant le Cameroun, j'irai en Europe, je vais faire une tournée pour revoir, pour vous voir. Et après, je rentrerai chez moi. En tout cas, je ne cesse de vous remercier et c'est émouvant. Quand une personne décide de vous séparer de votre famille, au moins si vous savez que vous avez tort, ça ne vous dira rien, mais quand vous savez que vous n'avez pas tort, et une personne décide de vous faire du mal jusqu'à ce point, c'est dur. Mais je subis, j'accepte. Merci à vous et passez une bonne soirée. Bye bye.